Fait la lettre d'Alet Bezrat Hashem, qu'on va faire Bezrat Hashem, pour la réussite de notre petite soeur adorée. Orna bat simcha, que Dieu te donne Bezrat Hashem la tzlacha dans les études, que Dieu il te donne la réussite dans les études, et que Bezrat Hashem, avec cette réussite-là, tu pourras trouver un bon travail, et grâce à ce bon travail, tu auras un bon mari, et comme tu t'arrangeras avec ton travail, ton mari pourra étudier la Torah, et tu le laisseras tranquille. בעזרת השם, אמן. הלא ערסק כמוס כמסה. לכבוד חמדת ליבי החושק וצמא לשתות מים חמים נובים ומתוקים מאוד. עמוק עמוק מי ימצאינו ואין אדם יודע לשאוב ממנו. שלום ונועם השם יזרח אליו לאורך ימים, אמן. עמוק עמוק ממצאינו, כדחי דחי פרופון ואין אדם יודע לשאול ופרסון סי, אלי שרשי סטו כאם בא. לא, כאילו נתפל לרבי ישראל, לביד עמוס זה רבנו. אסתורה, אתוסקילה רמנעמון. אילו בני, בקיצור יהודי אמן. הלוא ראיתי כמסא. תמונת נועם פניו, המביא עדינות של אהבה, אמת ובתמימות. La photo de ton visage, qui est, qui est douce, montre l'amour, le vrai amour, qui est dessiné dans le profond de ton cœur et qui est devant tes yeux toujours, et je ne peux pas l'oublier. Oh là 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 là! Al-Zalman T'as vu ce qu'il a dit Qu'est-ce que c'est romantique Surtout Mais qu'est-ce que c'est profond Le visage de ta-ta-ta-ta. Les Rav. est tu rigoles toi là-bas Malheureusement, je, ah oui, je fait. Malheureusement, ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit parce que j'étais très malade et très euh, fatigué et je n'avais pas de force. Mais maintenant, je vais, me, je vais tout faire. Même si j'arrive pas, même si je n'ai pas de force, je vais essayer quand même. Est-ce que Hachem va me donner la force de t'écrire Je te le l'écrirai. Sache qui, qui Dafka maintenant, qui... Euh, qui que comment on dit Dafka précisément maintenant, dans ces, de ces, dans ces générations, il y a une lumière qui monte surtout dans le monde, qui n'existait pas encore dans ce monde, et qui allume cette lumière dans chaque personne, dans l'obscurité, dans l'obscurité, et grâce à cette lumière, on pourra trouver l'entrée, enfin la sortie en fait, la sortie de ce de ce monde qui est noir et de ce monde qui est plein de... Le, la traduction c'est deuil, mais comment on dit Evel Avalim Que tout est stam, que tout est... C'est rien, c'est-à-dire les voitures, les femmes, les maisons, les hommes, les habits, c'est du matériel, c'est du deuil, comme ça ça s'appelle en hébreu. Il a marqué dans Shiras, il a marqué dans euh, Kohelet, il a marqué à Kol Evel avalim Tout est du Stam et, et jusqu'à que tu pourras arriver sur le droit chemin. Et car à Touma l'essentiel de l'impureté, c'est la Emunot Kosviot avec Firut. C'est toutes les, 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 les. Comment on dit, les païens Toutes les. Les résies Toutes les résies, toutes, les, toutes ces, tout ces trucs débiles qui nous sortent aujourd'hui, qu'il faut croire, ta ta ta. Tout ce qui est. mouna mais pas dans HM. Ou même, il faut, même la que qu'à la fin c'est HM, mais tous ces chemins qui sont tordus pour arriver vers HM. Et ça. C'est l'essentiel de la galoute. C'est l'essentiel de la galoute. L'essentiel de la galoute, en fait. C'est ça, c'est le monde. Et comme on avait appris, celui qui veut voir, il y a la Torah 31 qui est dans le côté Moharan. Que même si quelqu'un, il parle de ce monde, il va dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, cette voiture, oh là là, regarde comment ça. Oh là là, t'as vu celui-là as, as, as... Et maintenant, à chaque fois qu'on va parler, on va créer... Des, des, une sorte d'âme. Maintenant, c'est dur à comprendre ce que je dis, mais si vous allez voir le chiot de 31, vous allez comprendre. Et cette âme-là, qui est une âme impure, elle va, ça se dit, pourrir le monde. Pourrir le monde qui est, qui est saint. Et ça, c'est la galoute. Ça, c'est le, le... Comment on dit galoute oh L'exil et Et tout peut s'arrêter, tout peut 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 tomber grâce à la à la idgalut, comment dire à chaque fois idgalut, la, la le dévoilement d'Hachem qui est tiré par le vrai tzaddik dans ce monde. Que son travail c'est de rapprocher ceux qui sont loin, ceux qui sont très très loin, jusqu'à HM Barach. Et grâce à ça viendra la Geoula. Yesh Shenikraim Il y a des dirigeants dans ce monde qui s'appellent sur le nom Rabbi. Comme on dit aujourd'hui, Rabbin Ze, Rabbin Ze, Rabbin Ze, Rabbin Ouais, Rabbi. C'est important de dire rabbi parce que rabbi il y a une Torah dans l'écoute Moran que c'est que Rabbeinu, il dit rabbi c'est ou rosh bnei israël, les lettres rosh la tête, bnei israël du, du du peuple d'israël, des enfants d'israël. Et il y en a qu'un seul, c'est un rabbi ou c'est rechaïm b'choshekh Ozu, Que les Rechaim, les méchants dans l'escurité, on va dire dans le noir. Les kits, ils vont faire ce qu'ils veulent dans le noir. Et il n'y a qu'un rabbi, il n'y a qu'un rabbi, dans chaque génération, il n'y en a qu'un. Il y a beaucoup de rabbins, mais rabbi, rabbi, il n'y en a qu'un. Et c'est cela là qu'il y a des gens qui les appellent rabbi, ils sont même pas capables, eux-mêmes, de se conduire. Alors je ne parle même pas de conduire les autres. Et pourtant, ils vont prendre sur eux-mêmes des grandeurs, du kavod. et ils vont vouloir eux-mêmes conduire le monde. Croire qu'ils sont capables de conduire ce monde. Il faut que chaque personne y voie et qu'il fasse attention de ne pas autoriger, autoriger? autoriser... Autoriser Autoriser ces, ces gens-là dans le nom rebi et dans le, ce qu'ils veulent faire ne pas leur donner aucune force et aucune, aucune possibilité que ça soit vrai ce qu'ils veulent qui parce que eux ces gens-là ils sont pas ils sont pas eh, obligés tellement dans le péché de prendre sur lui-même qui parce qu'ils ont un très grand Yetzerara, que ce Yetzerara il, il lui dit tu es capable soit de, de, de conduire ce monde. Ar Elo anotnim tokevahos mais seul, ceux qui vont leur donner de la force. Venis machim aladam shiuni kren bishem rebe et c'est eux qui vont tout faire pour que lui s'appelle Rabbi. Et matidinat edivin rechbon. C'est eux qui vont payer à la fin. Val edeze gozrim le garish bnei israel b'makom haishuv shenit sham. Et à cause des choses comme ça, alors des fois, on voit que le peuple d'Israël, il est obligé. Il est obligé de quitter un endroit où ils sont. Comme on a vu, ça veut dire avant, c'était il y avait beaucoup dans les pays d'Ukraine et dans le pays de Sfarad et tout ça qu'on a vu que des fois les goyim ils nous obligeaient de quitter. Où tu devenais goy, où tu devais quitter la ville. Et on a vu qu'il y avait, enfin c'est un truc connu. Alors tu vas dire, ouais, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. c'est pas vrai. Ça veut dire que, et cause des gens comme ça, qui donnent de la force à des gens qui ne peuvent pas s'appeler rabbi, même s'ils savent très bien parler dans la Torah, même, il faut comprendre, ce n'est pas que c'est des gens qui ne sont pas gdoshim, qui ne sont pas saints. C'est des gens qui sont très saints, ces rabbins-là. C'est des gens qui étudient la Torah, c'est des gens qui font la Torah, c'est des gens qui se lèvent la nuit, qui étudient, c'est des gens... Mais d'être ça veut dire d'être le, le manique de, de, du peuple d'Israël, il n'est pas capable. Hein le dirigeant, il n'est pas capable parce qu'il ne peut pas se diriger tout seul. Et celui qui donne la force à ces gens-là à diriger, alors eux, ils vont payer. Parce que lui, peut-être que s'il n'avait pas des élèves et de la force qui lui donnait de diriger, de diriger tout ce monde, alors peut-être qu'il aurait compris que ce n'est pas son travail. Et lui-même, il aurait cherché qui est le dirigeant dans ce monde-là. Et il serait arrivé à la fin à Rabben ou à Kadosh. Mais si lui ne cherche pas, si lui ne veut pas chercher parce que ça ne l'intéresse pas, Alors, c'est à cause de ses élèves, c'est à cause des gens qui lui donnent cette force-là. Et c'est ces gens-là qui vont faire, ils vont faire en sorte que le peuple d'Israël, il va être obligé de quitter l'endroit où ils sont. Et si vous voulez savoir quand c'est arrivé la dernière fois, c'était à Gouchkatif. Gouchkatif, ça a été une obligation de prendre un peu, le peuple juif et de lui dire, et maintenant là, tu ne peux plus être là. Maintenant, je ne vous parle même pas de politique. Parce que la politique, moi je n'y crois pas dans la politique. Moi la politique ça ne nous intéresse pas. On ne croit pas maintenant est-ce que c'est lui, nous on attend, le ma... on attend que David Améler et le Mashiach, ils vont, mettre... ils vont... Ils vont venir sur la terre d'Israël. Pour l'instant, la seule chose qui nous intéresse c'est la Torah. Celui qui ne est... qui... 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 Qui dirige pas le peuple d'Israël d'après la Torah, il ne peut pas diriger le peuple d'Israël. Si jamais, on va... c'est qui maintenant le président Netanyahou Ouais. Si jamais Baby Netanyahou, demain, il va, il va dire euh, « À partir de demain, plus personne ne met les tefilines Mais qui c'est qui va l'écouter, celui-là C'est qui, lui, qui va nous dire de plus mettre les tefilines Il peut dire que je dois payer l'eau. Il peut dire que je dois payer le courant. Il peut dire que je dois payer euh, tout ce que j'ai à payer dans, qui appartient au pays. Mais me dire à moi de pas être juif, alors c'est plus personne. Ah, alors lui, il n'est pas capable de mon dirigeant. Ça veut dire que le vrai dirigeant, c'est celui qui tape sur la table, ou même sans taper sur la table, qui va dire la volonté de Hachem. Celui qui a la volonté d'Hachem, à 100%, il est capable d'être le, le, le manique du peuple d'Israël. Alors vous allez me dire, oui, mais comment tu sais que ce rabbin, il n'y a qu'un manig Nous, Baruch Hachem, en Breslev, on sait que le manique du peuple d'Israël, aujourd'hui, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Maintenant, vous, qui... qui Peut-être que vous ne vous savez pas encore qui c'est le manik. Vous cherchez votre manik, vous, vous voulez savoir. Et c'est Khas shalom Je dis pas que le rabbin de votre, de votre endroit où vous habitez ou le rabbin de votre famille, c'est quelqu'un de mal. Khas Vishalom, ce n'est pas ce que je dis. C'est possible que ce rabbin là c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui connaît la halakhot et c'est très important de l'appeler à chaque fois que vous ne savez pas quelque chose dans la halakha. Mais ce n'est pas le moshe rabenou de cette... De cette... De cette, de cette génération. Et si lui, c'est un vrai, s'il si est vrai avec son cœur et avec sa, avec son cerveau devant Hachem, il vous le dira. Allez lui demander, est-ce que tu es capable, mon cher rabbin, à part les que j'étudie toi, et à part la gmara qu'on étudie ensemble, et à part les études qu'on a ensemble, est-ce que tu es capable de m'arranger, Maneshama, à 100%, de faire que je sors de ce monde-là, et quand je sors de ce monde-là, je vais directement au Ganeden, que je sais que je suis parfait, tu m'as tout arrangé. Même s'il vous dit oui, et c'est un chakran, c'est son problème à lui. Mais nous, pas nous, moi je vous le dis, qui vous dira pas oui si c'est quelqu'un de vrai. Il vous dira, écoute, cherche quelque part d'autre et va, tu trouveras un endroit où il va, et il Rabbi Nachman de Breslev, c'est le seul qui nous a promis que celui qui viendrait chez lui à Rosh Hashanah à ouman, et pas dans un autre endroit et qui fera le tikkun et qui donnera la prouta à la Tzidaka, alors il fera tout pour aller au long et de long au large, de, de, de haut en bas, de long, de, on dit en français ah, de long en large, pour le faire sortir du guéné guenome où il va être, où il devrait être. Et, il va, et celui qui veut se rapprocher du tzaddik, alors c'est sûr que Rabbeino, il a promis à ses élèves de sortir de ce monde parfait sans aucune tâche. Il a dit :« Je suis le, le fleuve, le, la source qui nettoie de, tout les, de toutes les tâches. » Alors. Baruch Hashem, qu'on sait qu'on a un mani comme ça. Alors celui qui est assez intelligent dans sa tête pour savoir qu'il faut courir après lui. Il faut courir après lui comme, comme des ouf, mamas. Alors Baruch Hashem, mais celui qui ne sait pas encore, alors cherchez. Et, et cherchez dans la vérité. Ne cherchez pas dans le shaker. Cherchez même quand ça ne vous fait pas plaisir d'entendre des choses qui sont dures, il faut les accepter et chercher la vérité. Et quand, et quand on va faire sortir ces juifs de l'endroit où ils étaient assis, me chez ils vont les emmener dans un endroit où il n'y a jamais eu personne qui était habité, qui là-bas mais quand ce sage là le vrai sage on l'appelle Rabbi » et on le fait devenir Rabbi », Grâce à ça, qu'on l'appelle le Rabbi, parce qu'il mérite qu'il soit Rabbi, alors il arrive à faire... Ça a bougé. On arrive à faire en sorte... Lui, il arrive à faire en sorte que l'air qui est autour de lui, l'air qui est envers lui, c'est l'air de l'Eretz Israël. C'est-à-dire que le vrai Tzadik, même s'il est en, en Éthiopie maintenant, d'accord il arrive à faire en sorte que l'air de l'Eretz Israël est avec lui. Et grâce à ça, tout sera réparé, Bézrat Hashem, il dit, Et toutes les les natzels, les bilboules, la des vrais conseils qu'il y a pour sortir de tout, ce, de tout le, le bilboule de ce monde. Qui, est, qui tord notre cœur sans s'arrêter, c'est-à-dire tord, tord dans le mauvais sens. Il faut aujourd'hui, dans notre génération, chercher et demander des livres de Rabbi Nachman de Breslev et de ses élèves, et de ses élèves, de ses élèves, de ses élèves, de ses élèves. De ses élèves. Heureux sommes-nous qu'on qu a ce qu'on a pu savoir pu connaître de cette grandeur là Varav Mimim que chaque parole qu'il a dit et chaque chemin qu'il nous a ouvert qui sont simples et qui sont profondes de notre côté qui nous a laissé un héritage qui est bien et qui est parfait et qui כי דין גרנד אור, כי נאפד פן. אמו המונם, ידירה בישראל, אל סי תכי תכי תכפור. ונפשי יודעת מאוד שאין בכל העולם, כי יאפד יאפרסון נוטוס אמונדלה, שיודע, שידע וירגיש נפלאות כאלה, כאשר זכינו אנחנו בינינו. qui peut recevoir cette, ce bonheur et que ce, ce, ces, ces, ces moments qui sont bons, comme nous on a reçu, comme on voit qu'on a reçu, que même notre bouche, elle ne peut pas, elle, elle peut pas euh, euh, faire montrer la faute, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer en parlant, parce que c'est des choses qu'il faut voir. Et tout ça, c'est des choses qui ont été faites par notre maître. Toutes ces, ces choses magnifiques qu'on a, qu a réussi à gagner en cadeau, ces, ces lumières de celui qui est le, le la source des lumières. C'est profond ce qui marque l'Arabie israélienne. On ne peut pas aujourd'hui réveiller quelque chose dans ce monde à part. Avec les paroles de Rabbi Nachman de Breslev. Qu'il n'y a que par lui aujourd'hui qu'on est capable de, de prendre quelque chose qui est, euh, qui est amer et le faire devenir euh, doux. Et sans ça, on n'aurait même pas pu vivre dans ce monde. Heureux qu'on a gagné au moins de, de connaître ou de savoir son existence. Que c'est lui qui, qui, nous, qui nous fait vivre, et, enfin vivre, qui nous donne la, la, la force de vivre, c'est-à-dire, à nous et à tout le monde aussi. C'est-à-dire qu'il dit, le tzadik, un des... Un des des jobs qu'il a reçus dans le Parachem, c'est de faire vivre ce monde. C'est de faire en sorte que ce monde vit. Et il dit à Israël au moins nous, on, a, on, on le sait que c'est lui. Il y en a qui, qui vivent comme des chameaux, comme des vaches, comme des, 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 des ânes battés et ils ne savent même pas par qui ils sont. Au moins nous, on sait, même si on est des ânes, on sait qui c'est qui nous donne la force de vivre. Et que le, le, la plupart de, du monde, ils savent même pas, et ils, ils auront même pas la chance de le savoir peut-être. Il faut qu'on se renforce, parce que dans sa, dans la, il faut qu'on se renforce dans la kedusha du tzaddik, dans la sainteté du tzaddik. Asher zakinu qu lishov qu'on a eu la chance de puiser, qu'on a eu la chance de puiser l'eau de la source de la de la de la source de la Yeshua comment on dit Yeshua ah de la source de la délivrance qui miyama depuis qu'il est que Rabbi Nachman il est arrivé dans ce monde ça ça ne s'est jamais arrêté et comme on peut le voir et le sentir que aussi aujourd'hui ces paroles, euh, euh, ah c'est beau. Comment je traduis ça maintenant Cool, bien, cool dans cette source de, de, de dans, dans cette source magnifique de Torah, de Rabenu, de sa bouche, quelque chose de très fort. Je te passe le bonjour, un vrai bonjour, Israël de vos dessert, nanar.